Est-ce que tu penses que Ousmane Dembélé doit encore avoir sa place dans le 11 de Lucien Riquet? Est-ce que tu penses que Ousmane Dembélé doit encore être titulaire au PSG? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Ousmane Dembélé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est pas, on est parti. Alors, est-ce que tu trouves que Ousmane Dembélé doit encore être titulaire au PSG? Moi, je pense que non. Pourquoi je le pense? Parce que ses stats sont catastrophiques. Catastrophiques. C'est 0 but marqué et je pense 0 passe décisif. Donc, c'est un mec qui n'est pas décisif. N'est pas décisif. On me dit que non, il percute et tout, mais il percute. Derrière, tu dois au moins faire la dernière passe, même si tu ne marques pas de but. Tu dois au moins faire la dernière passe. Tu dois au moins faire l'avant-dernière passe. Et ça, il a du mal à faire les bons choix. Ce n'est pas pour rien que même en équipe de France, il a perdu son poste de titulaire au détriment de Kingsley Coman. Kingsley Coman était un peu comme lui. Il ne marquait pas les buts, mais il commence déjà à améliorer son ratio but. Il commence déjà à améliorer son ratio but. Il commence déjà à marquer des buts. Donc, moi, je pense que Ousmane Dembélé, c'est un ailier. Si tu n'arrives pas à marquer des buts, au moins délivre les passes décisives. Délivre les passes décisives. Donc, c'est un joueur qui manque cruellement d'efficacité dans la dernière passe, l'avant-dernière passe et même dans la finition. Et s'il veut vraiment retrouver, selon moi, son poste de titulaire, s'il veut être titulaire sur le long terme au PSG, il doit améliorer ses stats. Parce que croyez-moi, Lucien Riquet ne va pas supporter ce joueur tout le temps avec ce genre de stats. Parce que aucun joueur n'est titulaire dans un grand club avec ses stats. Même Jérémy Doku a déjà marqué. Lui qu'on disait que non, il est maladroit devant les buts. Doku a déjà marqué. Doku a déjà donné des passes décisives. Donc, si Doku marque, pourquoi pas Dembélé? Je trouve qu'en termes de qualité intrinsèque, Dembélé est supérieur à Doku. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!